Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, ce samedi, on va voir les liaisons. Oui, mais pas n'importe lesquelles. Aujourd'hui, on va parler des liaisons obligatoires. Las obligatorias. Tout d'abord, tu vas pas dire, mais Mélanie, c'est quoi une liaison? Qui ça se pensait pas? Qu'est-ce une liaison. Une liaison, est à l'oral. Certaines consonnes finales, bien, deux mots peuvent dans certains cas, être prononcés avec la voyelle initiale du mot qui suit. Donc ça c'est la définition, ça c'est la liaison. Par exemple, quand je dis ils arrivent, là je fais la liaison. Il y a trois types de liaisons en français, il y a trois types de liaisons. En français, c'est les obligatorias, les facultatives et les prohibidas. D'accord? Aujourd'hui, on va voir les obligatoires. Alors, je vais séparer la vidéo en trois parties ou en deux parties pour que ça ne soit pas si lourd, hein, para que entiendas bien et te quede bien claro. Ça va? J'ai un petit, bien sûr, comme d'habitude, mes petites fiches. Alors, la présence ou l'absence de liaison, ça dépend le plus souvent du degré de cohésion lexicale et syntaxique. Ça va? On passe donc aux liaisons obligatoires. C'est obligatoire. Alors, le premier point, c'est à l'intérieur de mots composés et des groupes figés. Palabras compuestas, que c'est con un guion, o grupos fijos. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire, quand tu vois le mot, par exemple, États-Unis, tu dois faire la liaison, parce que c'est un groupe, un simple. Les États-Unis. Les États-Unis. Donc, c'est le S, État, que je vais, hop, Z, comme ligar, avec le U. Je dis les États-Unis. Tu vois? Les États-Unis, je ne dis pas les États-Unis, non, je dis les États-Unis. Ça, c'est un premier point. Un autre mot. Là, c'est par exemple un groupe figé, un grupo fijo. De plus en plus. De plus en plus. Cada vez más. Là aussi, groupe figé, liaison obligatoire. D'accord? Les États-Unis, de plus en plus. Plus en plus. Le S devient Z, tu vois? De plus en plus. C'est le premier point. Tu peux m'écrire des exemples dans les commentaires. Hein, je te corrige avec plaisir. Oh, j'ai failli faire tomber ma caméra. Non. Deuxième point, à l'intérieur du groupe nominal avec le nom. Le segundo punto es adentro del interior. El interior, c'est del grupo nominal con un sustantivo. Alors, là, on a plusieurs catégories. Avec le nom et les prépositions, déterminants, adjectifs qui le précèdent. Attention. Par exemple, chez Alice. Chez Alice. Chez Alice. Des idées. Des idées. D'autres idées. D'autres idées. Tu vois? Chez Alice. En lo de Alicia. Des idées. Ideas, c'est comme l'article, des idées, j'ai des idées fantastiques. Et d'autres idées, tu as d'autres idées à me dire, à me faire parvenir. D'autres idées. Donc là, on a ce point. Ensuite, entre les prépositions déterminants, adjectifs qui précèdent le nom. Je te donne un exemple pour que ça soit plus facile. Chez un excellent copain. Chez, préposition de lieu, la préposition de lieu, chez, chez un excellent copain. En lo de un amigo, excelente. Ça va? Chez un excellent, chez un excellent. Là, tu as deux liaisons obligatoires. Ça va? Oui, ça va. Troisième point, c'est entre l'adjectif, d'accord, et l'adverbe monosyllabique qui le détermine. C'est Mélanie qui est en chino. Entonces, entre l'adjectivo o et l'adverbio monosyllabico qui le détermine. Ça, c'est facile. Très intéressant.
très intéressant. Alors là, tu vois, très intéressant. Ça va? Ok, très. S suivi de la voix. Très intéressant. Quatrième point. À l'intérieur du groupe verbal, à l'intérieur du groupe verbal, avec le verbe, hein, qu'on est le verbe. Alors là aussi, on a deux points. On a le premier entre le verbe, les pronoms et les subordonnants qui le précèdent. Entre le verbe, le pronombre y los subordinados que están adelante. Este es como el ejemplo que yo di al principio. Ils arrivent. Ils arrivent. Ahí con el sujeto, ils arrivent. Ellos llegan. Ils arrivent. Il est très apprécié. Il est très apprécié. Très apprécié. ¿Está bien? Y el otro punto, entre les subordonnants. Entre les subordonnants et le pronom qui précède le verbe. A ver, con un ejemplo. Quand il est en été content. Quand il est en été content. Là, je l'ai lu sans liaison. Quand ils en étaient contents. Cuando ellos estaban contentos de eso. Donc, tu vois, quand ils en étaient contents. Quand ils en étaient contents. Ahí tenemos el en, que hace referencia a être content de quelque chose, estar contento de algo. Complemento, hay que tener cuidado con ese en, pronto voy a hacer un video. Donc tu vois, quand ils en étaient contents, quand ils étaient contentos de algo. Le cinquième point, c'est entre le pronom inversé et le verbe. C'est muy importante, cuando tenemos el pronombre, justamente como lo vimos con el en, que se invierte con el verbo, ahí la liaison es obligatoria. Entonces ya cuando ves eso, ya, hors liaison obligatoria. Oui. Donc, par exemple, prends-en, hein, des chocolats, mais oui, prends-en, agarra, prends-en. Là, le D, hop, je fais la liaison avec le prends-en. Tu vois, ça zzz. Alors, par exemple, autre, arrive-t-il, ahí, si aussi, parce que lo tengo junto con el guion, arrive-t-il, llegan, llegan. Bien. Et on passe au dernier point, le point numéro 6. Entre le verbe être ou avoir, hein, entre le verbe être ou avoir, à la troisième personne et l'expression qu'il introduit. Bien. A ver, con el verbo sería estar y tener, la tercera persona, con la expresión que lo introduce. Il est amusant. Elle est amusante. Ella es divertida. Elle est amusante. Elle est amusante. ¿Ves? Esa T la sonar. Elle est amusante, Marie, par exemple. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Ellos han aceptado. Entonces ahí, avoir accepté, haber aceptado. Liaison. C'est un ami. C'est un ami. Es un amigo. C'est un ami. ¿Ves? C'est un ami. C'est un ami. Ils sont heureux. Oh. Ils sont heureux. Sont felices. Ils sont heureux. Con el verbo être, con el verbo sería estar, entonces, hop, je dois faire la liaison obligatoire. Ils sont heureux. Sont heureux. Mais ça t'est sont heureux. Ils sont entrés. Ils sont entrés. Ellos entraron. Ils sont entrés. C'est intéressant. C'est intéressant. Es interesante. C'est intéressant. Et la T, hop, fuerte. C'est intéressant. Bon, j'espère que c'est plus simple pour toi. C'est un thème qui est un peu compliqué, je le sais. Il faut pratiquer. Tu peux pratiquer. Il y a beaucoup de pages internet, comme par exemple TV5 Monde, où tu as des exercices de prononciation et tout ça. Ce qui est très intéressant à faire, c'est de s'enregistrer, de grabarse. Yo siempre digo, leer un texto, grabarse, escuchar et... Y después repetir, eso es necesario y es un buen ejercicio. Donc voilà. Bon, n'oublie pas que si tu as aimé ma vidéo et ça a été utile pour toi, petit pouce bleu. N'oublie pas non plus que tu peux me trouver sur Instagram, Frances en tu vida, y estoy todos los días, Frances en tu vida, littéral. Et sur Spotify, où tu as une petite playlist. Et très très bientôt, je vais lancer mes podcasts. Prontito voy a lanzar mis podcasts et todo eso. Donc voilà. Alors, si tu as des questions, tu peux me poser des questions. La semaine prochaine, je ferai les liaisons obligatoires, c'est fait. Facultatives,
et interdite, la facultative y las prohibidas, el otro sábado, si no te pierdas el video. Et voilà, si tu as d'autres idées de vidéos, des thèmes que tu aimerais que je t'explique, con mucho gusto lo hago, hein. Así que les mando un beso muy grande, gros bisous, et je te dis à samedi prochain dans une nouvelle vidéo de Frances en tu vida. Mouah.